France Gall naît le 9 octobre 1947. Depuis toute petite, elle baigne dans l'univers de la musique. En effet, son père Robert Gall est chanteur et auteur, il a composé la chanson La Mama pour Charles Aznavour. Elle va apprendre le piano à 5 ans et la guitare à 11 ans, puis fonde un petit groupe avec ses frères jumeaux. Son père va la pousser à enregistrer une chanson, et signe pour elle un contrat dans une maison de disques. Elle doit changer de nom et c'est la naissance de France Gall. Ne sois pas si bête, son premier single passe à la radio, alors qu'elle vient tout juste de fêter ses 16 ans, c'est un énorme succès. Son producteur a l'idée de proposer à Serge Gainsbourg, alors en perte de vitesse, de lui écrire des chansons. C'est une collaboration fructueuse, car de nombreux morceaux écrits par Serge Gainsbourg se classent en tête des parades. Désormais chanteuse, elle quitte le lycée pour se consacrer à sa carrière. En 1964, son père lui écrit Sacré Charlemagne, le disque se vend à plus de 2 millions d'exemplaires, et va même être chanté au Japon et aux États-Unis. En 1965, nouvelle collaboration avec Serge Gainsbourg, qui lui écrit Poupée de cire, poupée de son pour le concours de l'Eurovision et Ugrave, elle représente le Luxembourg. Nouvelle consécration pour France Gall, elle remporte le titre. Elle continue d'enchaîner les succès, et en 1966 enregistre Les Sucettes, chanson à double sens qui provoque un scandale et un malaise de la part de la chanteuse qui comprend plus tard le sens des paroles. Leur collaboration prend fin plus tard avec Tenny ou Denny Bopi. À la fin des années 60, elle entame une carrière en Allemagne, et se fait plus rare en France. Quand elle revient, toutes ses chansons sont des échecs, c'est le début d'une traversée du désert. En 1973, elle entend à la radio une chanson interprétée par Michel Berger, elle est subjuguée et souhaite collaborer avec lui. Après une hésitation de 6 mois, il lui propose la Déclaration d'amour, 1974, qui devient un énorme succès. C'est le début d'un nouvel élan pour sa carrière, et d'une grande histoire d'amour. Dès lors, il ne se quitte plus. Michel Berger écrit tous les albums de France Gall, qui sont des cartons à chaque fois. En 1979, Starmania, opéra rock écrit par Michel Berger et Luc Plemondon est présenté, c'est un triomphe, le spectacle se joue à guichet fermé. Elle va sortir 2 albums à la suite, Paris France et Tout pour la musique, qui explose les ventes. Sa notoriété est telle qu'elle tombe jeune demande à Michel Berger d'écrire un duo pour lui et France Gall, donner pour donner. Par la suite, elle va s'engager dans de nombreuses actions humanitaires auprès de son mari et de Daniel Balavoine, en particulier. Babacar sort en 1987, opus directement inspiré par son expérience en Afrique. Il contient la chanson Hommage à Daniel Balavoine, évidemment. Cet album est le plus gros succès de sa carrière, elle obtient un disque de diamant. Après cette réussite, France Gall déclare qu'elle veut prendre du recul. Elle accepte toutefois de revenir à la chanson à la seule condition d'enregistrer un album avec son mari. Double Je vois le jour en 1992, tous les titres sont écrits par Michel Berger et interprétés en duo. Il prévoit de donner des concerts, mais malheureusement Michel Berger meurt foudroyé par une crise cardiaque, le 2 août 1992. Malgré tout, elle n'abandonne pas la chanson et monte sur la scène de Bercy en septembre 1993, les concerts font salle comble. En 1996 elle sort France, qui contient des titres écrits pour elle, ou chantés par Michel Berger. En décembre 1997, sa fille Pauline décède des suites de la mucoviscidose. Ce nouveau coup du sort anéantit la chanteuse qui met fin à sa carrière artistique. Dès lors, elle ne fait plus que de rares apparitions publiques. En 2007, elle présente une émission hommage pour les 15 ans de la disparition de son mari, mais ne souhaite pas chanter. Elle prépare actuellement un spectacle musical autour des chansons de Michel Berger, la sortie est prévue en 2015. Avant de rencontrer Michel Berger, France Gall a vécu avec deux chanteurs célèbres à l'âge de 17 ans, elle a été la compagne de Claude François. Ils se sont séparés en 1967, une rupture qui a inspiré au chanteur la chanson comme d'habitude. Plus tard, elle a rencontré Julien Clerc avec qui elle est restée pendant 5 ans. Puis va Michel Berger IS, se sont mariés le 22 juin 1976. Le couple a eu 2 enfants, Pauline, née en 1978, et décédée en 1997, et Raphaël, née en 1981. Point.